On est aujourd'hui avec Fred Weiss. Fred Weiss, sur Twitter, il fait partie des gens qui ont le droit de mettre O-L-Y à la fin de son nom. Pourquoi Fred ? Parce que j'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques. Et que t'as une médaille en plus. Et que j'ai une médaille, oui, mais il était suffisant de participer aux Jeux Olympiques pour pouvoir mettre ça, donc ouais. J'étais assez fier de le mettre. T'as participé, mais t'as aussi une médaille, et c'est quand même pas mal. Fred, t'es ici au salon de la carte de basket, tu t'y connais un peu en carte de basket, tu le découvres, tu redécouvres, comment ça se passe ? Alors je redécouvre, parce qu'il y a eu une époque où ça fonctionnait très très bien, et ça s'était un peu perdu, il me semblait, en tous les cas, les gens venaient moins nous demander des autographes dessus. Et quand je vois ça, quand je vois l'engouement, je me dis que bah, c'est une saine passion et hyper intéressante. Et t'es venu aussi pour un livre ? Parle-nous de ton livre, là. J'en entends beaucoup parler, j'ai pas encore lu, j'avoue, hein, mais alors, c'est il pas paraît bien. Que c'est très... Oui, tu parles souvent de ton auteur, oui. Mais c'est très humain, plus que... Oui, parce que des basketteurs, finalement, qui tapent dans le ballon, il y en a tellement, et même des sportifs en général, donc c'était pas du tout ce qu'on voulait faire, et j'avais pas la prétention d'être au-dessus du lot par rapport à ça. J'avais juste envie de raconter une histoire humaine de quelqu'un qui avait galéré et qui avait souffert de pas mal de choses, dont l'autisme de son fils. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est quelque chose qui est très présent dans le livre, parce que tu en parles régulièrement. Qui est présent, qui est très expliqué, et on comprend peut-être mieux aussi pourquoi parfois je suis considéré comme un peu fou, parce que j'essaie de m'échapper et de m'évader de ce genre de problème. Bon Fred, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il a de grosses ambitions au niveau professionnel en ce moment, il m'a raconté ça l'autre jour. Là, tu es quand même bien parti dans une seconde carrière, on va dire, de consultant, commentateur sur Bein Sport, sur différentes plateformes. Quand c'est France 3 et que c'est des matchs de l'équipe de France, c'est toi qu'on appelle, ou M6, pardon, le groupe ouais, M6. Quand c'est M6, ouais, c'est ça. Donc là, t'es à fond, tu t'épanouis dans cette... En plus, t'es bon sur LNBTV et tout. C'est un vrai plaisir. Et mon plus grand kiff, ça serait qu'un jour, on me dise « Vous avez déjà joué au basket ?» Parce que j'aime ouais, bien vos commentaires, oublie, mais qu'on se rappelle, voilà. Ça me fait vraiment plaisir. Après, on en est loin encore, mais j'espère qu'un jour ça arrivera. Ouais, t'as le problème d'être grand, donc ils vont. Bah, c'est ça, les mecs vont dire bah, vous auriez dû jouer au basket, c'est pas mal aussi. Bon, mais ouais, t'es heureux dans ta nouvelle vie. Comment ça se passe ? T'es à Limoges, t'es à Paris, t'arrêtes pas de bouger ou... Alors, j'arrête pas de bouger, c'est un peu compliqué par contre, parce que quand t'habites à Limoges, c'est pas toujours évident de se déplacer. Tout le monde le sait malheureusement. Mais j'ai choisi ce cadre de vie parce que j'aime bien Limoges et que je suis bien. Et concrètement, le boulot est ici. Les matchs sur la LNBTV, tu le fais avec la petite machine de chez toi oui, ou de du chez bureau moi. Voilà. Non, je le fais de chez moi, ouais. Et tu viens faire des matchs Et je viens faire des matchs. Hier, par exemple, j'ai fait le match des champions, des filles, directement à la Halle Carpentier. Donc, on a passé un très bon moment. C'est Sport en France, donc ? C'est Sport en France, d'accord. Ouais. En fait, maintenant, on m'appelle pour les filles, pour les garçons. C'est, ouais, parce c'est que cool. En plus, t'es consultant sur des émissions avec Angelo, souvent. Exactement. Enfin, c'est vrai qu'on m'appelle sur la NBA, alors que tout le monde disait que Fred n'aimait pas la NBA. Non, Fred n'aimait pas la NBA à une certaine époque. Et puis, t'es critique, mais... positivement, enfin, tu dis ce qui est bien et ce qui est pas bien. Moi j'adore la NBA, le storytelling. Après le jeu parfois, concrètement, voir certains matchs ça me plaît pas, mais d'autres matchs me plaisent. Et le storytelling de la NBA c'est le meilleur du monde. Donc je suis fan du basket en général. Donc tu veux plus qu'on te voit comme un basketteur, on va pas te parler de ta carrière, mais tu sais que je suis sur un projet. Je vais t'en amener une. J'ai une carte de Lamine Kanté avec un maillot de Lamine Kanté. Je sais pas si tu vois qui c'est le mec qui a gagné la finale Pro B en 2009 à Bercy. Ça te parle non, en 2009 Ah, non, par contre, cet événement-là, ça me dit rien. T'as oublié, non ? C'était à Limoges ? C'est contre Limoges ? Non, mais je m'en rappelle. Je suis obligé de te chambrer. Je me rappelle de Lamine Kanté, mais c'est tout. J'ai un challenge pour toi. J'aimerais vraiment bien qu'on récupère un vieux de tes maillots. Oui, qu'on moi, fasse je des cartes. Te l'ai dit, mais alors, je sais pas si on a le droit de le dire. Vas-y, là, dis-le. J'ai perdu mon papa, là. Oui, je sais. Donc, j'avoue que ça a été un peu compliqué. Il était très malade et tout ça. J'ai suivi les hommages de tes collègues et tout. Mais est-ce que c'est un projet qui te plairait, ça ? Ah, oui, complètement. Je pense que tu es dans le vrai. Et quand je vois l'engouement des cartes, je pense que ça peut séduire certaines personnes. Alors, les vieux comme moi, certainement. En fait, c'est une façon de garder un bout d'histoire dans une petite carte sympa. Super sympa, mais comme d'habitude, tu as des bonnes idées, toi. Donc, la problématique, c'est pas les idées. Il est bon, il est bon. Bon, écoute, Fred, merci beaucoup. On va te laisser. Il y a beaucoup de gens qui demandent des dédicaces. Ça s'est bien passé, ouais. Tout le monde était sympa, ça cordial. Ça s'est très bien passé. Je suis arrivé à 14h, alors qu'on m'a dit de venir à 15h, donc ça va. Ah, ouais, t'es bien. Ouais, j'étais bien. Bon, merci, Fred, et à bientôt. Merci beaucoup, c'est un plaisir.